Mégane, à ce trio d'auteurs, vous pourriez rajouter un autre grand écrivain de Los Angeles qui est Joseph Vambeau, qui a beaucoup influencé James Ellroy. So, to this trio that you've chosen of authors, he suggests that you add Joseph Bamboo. 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 I don't know him. Wait, is it just a translation issue? Maybe it's my Peut-être que je pronunciation. ne comprends pas Oh, le. Wamba, sorry. Wombo. I know him very well. Sorry. I wasn't quite hearing. Yes, he would be the perfect person to. And I associate him with James Wamba, who's Joseph Wamba, who's a L.A. police. His novels are very much. They're sort of grittier than James Ellroy. James Ellroy is a little more romantic. They're dark, but they're romantic, and in some ways, kind of corrective. In many ways, you have to view the two together, and it's a huge influence on the way they see the LA police. The way the LA police operates, which, for those of you who know anything about the history of LA or know the O.J. Simpson case or the complicated nature of the LAPD, which is a whole separate story. Yes, I am. But the two of them is sort of twin different sides of Los Angeles. Du coup, cet auteur pourrait être ajouté, mais James Ellroy, ça reste plutôt dans le côté romantique noir de Los Angeles, et James Wambo, Joseph Wambo, qui est beaucoup plus dans la nature sombre, crue, granuleux, et aussi plutôt dans le côté policier, et qui explore un peu les complications du monde policier de Los Angeles. Et elle cite, si vous avez suivi l'histoire aux États-Unis du cas de O.J. Simpson, toutes les relations policières qui ont lieu, et vraiment c'est une relation compliquée dans la ville de Los Angeles avec la police. Je sais pas si c'est. Ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est qu'il a fait des études d'écriture. Après, il est devenu policier pour aller chercher du matériau, et après, il a écrit des romans. So he's saying that it's interesting with this situation because this author took he did his writing studies and then he became a policeman himself to get the real like material and then went back to write his novels. Right, no, and there's when you it's sort of interesting to think of him alongside Ellroy, and I know the two of them are friends because Ellroy was essentially became a criminal. He's a criminal. He's a very much living on the fringe of society for many years before he wrote his book. And in some ways, LA is always about those two opposing forces at once. The order should be represented by the police, but the police is some famously corrupt. And the criminals, who should be the bad guys, are often the ones in LA crime novels that we most identify with. Donc elle dit que c'est intéressant justement de comparer ces deux écrivains parce que Ellroy a longtemps vécu vraiment sur les périphéries de la société lui-même. Donc on a un écrivain qui a carrément était policier d'un côté, et puis Ellroy qui est plutôt de l'ordre du criminel. Et Megan dit que c'est très intéressant parce que dans Los Angeles, on voit ces extrêmes, ces deux extrêmes, toujours en tension, et que finalement, dans la construction de l'histoire, parfois c'est le policier corrompu qui est le méchant et le criminel qui est le bon. Ce qui nous amène à la construction de vos univers narratifs et de vos cadres narratifs, comment les choisissez-vous? Est-ce que c'est des espaces que vous connaissez avant de vous attaquer à un roman ou est-ce que vous faites du travail de recherche documentaire? So this brings us to the subject of how you create your storytelling universe, your narrative universe, and what's your process? Yes, and I will admit here that my first novel was set in LA before I'd ever set foot in LA. So that becomes a big part of it is like many people, I knew LA, Los Angeles from the movies long before I went there. It occupied a place in my dreamland before I visited there. I'll let you translate that and then. Donc, elle nous dit que, en fait, pour démarrer, en fait, elle avait écrit son premier roman qui a lieu en Los Angeles avant qu'elle soit même se sont rendues à Los Angeles. Donc, qu'au début, Los Angeles a vraiment occupé cet espace dans sa tête de rêve créé par les films, créé par les séries. Et ça, c'était un peu le début.
And did you finish? Yes. So then ultimately I did go there, and as I've written LA novels since, and during the revision of that, I would have this enormous map. Los Angeles is enormous. It's 1,000 suburbs in search of a city, and I would have it stretched out over my computer, and I would have pictures from old Los Angeles, and because Los Angeles has so much space, a lot of old stuff doesn't get paved over, so I would have the old restaurants that are still there, like Musso's, and I would sort of surround myself visually with Los Angeles to write. Donc, elle explique que pour s'y mettre dans l'esprit Los Angeles, elle a d'abord une très très grande plan de la ville avec tous les banlieues. Elle dit une petite phrase que j'ai bien aimée, Los Angeles, c'est 1000 banlieues qui cherchent une ville. Donc, c'est vraiment très étendu, Los Angeles. Et pour se mettre visuellement dans la ville, elle s'entoure avec des images des anciens restaurants, parce que finalement, Los Angeles n'écrase pas toutes ces vestiges du passé. Donc, elle a beaucoup d'images aussi, des choses du passé, pour se rappeler le lieu. Vos romans les plus récents, comme « Avant que tout se brise »,« You will know me », qui est un de vos derniers romans traduits en français, sont devenus beaucoup plus documentés en termes d'univers narratif. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'était l'univers du sport? Est-ce que c'est un univers que vous connaissiez, ou est-ce que vous avez fait un travail de recherche documentaire? Okay, so he's saying that your most recent novel is much more documentary, it seems more researched. And how have you continued to nourish this process? Yes, my most recent novel is about a mother whose daughter is a competitive gymnast, possibly an Olympic hopeful gymnast, and I became fascinated with the world of sports parents and the body and what gymnasts, athletes do to their body to turn it into this machine to win, and I'll let you translate that. Du coup, elle explique que pour son dernier roman, le personnage, c'est une mère qui était athlète dans le gymnastique, presque athlète olympique. Et du coup, elle s'est vraiment fascinée avec ce phénomène dans la vie des parents, des sportifs, des jeunes sportifs. Et comment il y a toute vraiment une articulation autour du corps, la forme du corps, et tous ces mondes qui gravitent autour des jeunes athlètes. And one of the excitements of doing a lot of research is you discover certain things you would never learn otherwise. And one of the things that became the inspiration for the book is how girls who are very serious gymnasts, that arrests their body's development, so they don't develop breasts, they don't get their period, and in some ways they're kept the same age, which seemed really complicated for a mother and a daughter, and that, you know, that's the stuff you'd only discover through research, and that became the spine of the book. Donc, ce qu'elle dit, c'est quelque chose qui est vraiment exhilarant de faire la recherche autour de ces sujets vraiment minutieux, c'est de découvrir des petits détails. Par exemple, elle découvre que chez les jeunes femmes qui deviennent gymnastes, souvent dans le processus de leur carrière d'athlète, elles s'arrêtent dans la croissance d'adolescence. Et en fait, elles s'arrêtent dans une période pas encore une femme. Elles ne développent pas de seins, n'ont pas leurs règles. Et elles trouvaient ça, justement, le point très intéressant pour une histoire sur une relation mère-fille. Et du coup, cette idée-là est devenue vraiment le cœur de son livre.